Bienvenue dans Concrete Jungle. Alors, comment te dire? Je croyais qu'il y avait une traduction, gars. Tout est en français, sauf les dialogues du jeu. Ça, c'est pas mal, ça. Alors, hello and welcome to the beautiful Cider Rapids. This is famous national park and greenbelt area. En gros, what is this? Hello there. Ah, c'est le nouveau maire. D'accord, c'est pas le numéro, le niveau tutoriel, le tutoriel. Mais c'est pas mal. Salut, Cimer Vlog. Alors visiblement, il s'amuse vraiment avec les parcs d'attraction. Alors, si tu voulais bien éviter d'insulter les gens et qu'on passe au jeu, s'il te plaît. Ça m'irait beaucoup. Voilà. Ok. Ça, c'est beau. Alors, quel est le principe du jeu? Maintenant qu'on peut jouer. Le principe du jeu, c'est de remplir, vous voyez, ces lignes, ces cases là sur la gauche avec des maisons. Salut Rome! Ces cases avec des maisons. Le but est de les faire atteindre 3 par exemple, pour pouvoir avancer d'une case en plus. C'est un espèce de mix entre Tetris et un jeu de cartes à collectionner. Et on a moyen de s'amuser. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est. Là, on a une maison qui collecte des points. Là, on a un duplex qui collecte des points. Donc, on va mettre le duplex direct. Voilà. Donc, lui, il connecte. Le double de points, alors je comprends pas pourquoi il devrait. Le duplex. Tu peux m'expliquer là, copain? Je comprends pas, d'accord. Il est censé collecter 2 points. Ah non, il génère 2 points. D'accord. Il génère 2 points et il récolte des points. Donc il se fait 3 plus 2. Donc on arrive à 5, moins 1, 4. Vous allez voir, la logique du jeu est intéressante. Alors j'ai des maisons qui collectent des points. Hop, une maison qui collecte des points, tout va bien. Là, vous voyez, j'arrive à 4, 4, 3, 3. Mais en fait, si je veux vraiment passer comme ça, il faut que je collecte les deux du vent, de devant aussi. Donc, le pré-communal plus un bâtiment adjacent. Donc, toi, quand je fais ça, par exemple. Là, si je fais ça, par exemple. Voilà. Voilà, ça c'est pas mal. Alors après j'ai l'école. L'école, je peux lui faire faire ça. Qu'est-ce que tu as fait pendant live sur Minecraft? Alors j'ai fait un petit tour de Nuezia pour voir un petit peu ce que j'avais loupé pendant la semaine qui n'est pas finie, où je suis en workshop à l'école urbaine. Et j'ai commencé à construire un bâtiment à côté de l'église. Un petit bâtiment Renaissance. Alors, on va utiliser ça. Et on va utiliser le prêt communal pour augmenter là. D'accord. Maintenant, on a le duplex qui collecte 2 pour lui-même. Alors, on va essayer de se créer un espèce de combo breaker. Ça serait peut-être quand même rassurant d'avoir le duplex là. Allez, voilà. Donc là, je vais faire un espèce de gros combo. Voilà. Vas-y, fais-moi rêver. Donc là, j'engrange des points. Et en plus, je découvre le reste de la carte. Oui, j'ai aussi décrit le talent de bulle de New Dreams. Alors, what is that? I see you've discovered Asmatown. La ville de l'Asma. That's a housing estate surrounding a chemical plant. I know. En gros, c'est un quartier. C'est un quartier d'habitation qui est autour d'une usine chimique. I thought
I thought the plant might be. I thought the plant might be a really cool building to do a paintballing. Oui, mais c'est pas mal. Alors, il se dit que. Alors, c'est quoi le jeu? Alors, c'est Enzo qui demande c'est quoi le jeu? Salut à toi, Enzo. C'est Concrete Jungle, qui est un super jeu en fait. C'est un espèce de puzzle game mix Tetris, mix autre chose. Bon, tu veux faire du paintball dedans? T'as fait un truc horrible. Oh, how we laughed. Alors. Déjà, ce qui est intéressant avec ça, c'est que je peux inverser, là, vous voyez, inverse les points sur une tuile. Donc, on passe de points négatifs à des points positifs, et de points positifs à des points négatifs. Là, j'ai plein de points négatifs sur cette tuile. Donc, c'est parti, on inverse. Ensuite, j'ai un parc. On va réparer les dégâts. Voilà. Alors, le petit restaurant, je vais le mettre là. Alors... La maison, elle collecte des points. Ça, c'est bien. Ça, si les points de la tuile adjacente sont de 0 ou moins, fixe la tuile à 1. D'accord. Donc, par exemple, si j'ai envie de faire ça, voilà. Salut Skyfrozen! Alors, non, attends, c'est bon, je sais qui tu es. Le parc, on va remettre un autre parc là. On a peut-être intérêt à le faire. Voilà. La caserne de pompiers. Ah, bah là, je suis embêté. Ah, quoique, ça peut marcher. Voilà, je suis arrivé sur ma cible. Hop, un bâtiment adjacent. Voilà. On va inverser... La valeur négative. On va rajouter des écoles dans le quartier. Hop. Alors là, on a tous nos points. Là, il nous manque des points. C'est parti. Alors, le prêt communal. Faut que je fasse attention. Alors, avec la maison, on va récolter les points qu'il nous faut. Ici, on va récolter aussi les points qu'il nous faut. Voilà, on va voir comment est-ce qu'on gère de l'autre côté. Le prêt communal. On va mettre la maison ici. C'est drôle. On va mettre une maison là, parce que c'est drôle aussi. Le restaurant, je n'en veux pas pour le moment. Ah, je vais t'embêter là. Mince. I made a very bad mistake. Alors. Ah oui, je vais être obligé de... Ah, c'est la panique! C'est la panique! Vous allez voir, je me suis mis dans l'embarras tout seul, comme un grand. Ou comme un gland, ça dépend comment est-ce que vous voyez les choses. Zut! Bon, on va faire ça comme ça. Le petit restaurant, bah tiens, fais monter du... fais monter des points, tiens. Ah, peut-être que... Oh, oh, j'ai du bol, là. Ok. Alors, le pré-communal. Ok. Alors, l'école, ça va me poser problème. Il n'y a pas une maison quand on a besoin d'une maison? Bande d'idiots. Là, je pourrais mettre un parc, mais ça ne m'avance à rien. Bon. Voilà, là, je suis embêté. Là. Donc, en fait, j'attendais avec impatience une maison parce que là, du coup, j'ai plus assez de points. Ce qui est très embêtant. Donc, je suis obligé de me gaspiller une vie. C'est parti. Mais vous doutez bien que le score baisse un max quand on utilise des vies. Ce qui est très embêtant. Donc j'ai mal géré ma stratégie. C'est un petit peu de l'urbanisme pour ça. Même si ça peut paraître complètement bizarre. Et là, je m'aperçois que j'ai fait une autre bêtise. D'accord. En gros, il a fait une école avec... il a fait des écoles avec des prisons à côté parce que forcément, c'est vachement plus drôle.
et avec une usine chimique à côté, puis je vais pouvoir y remonter. Hop, alors. Moi, ce qui me pose souci, c'est que... Voilà. Enfin, on peut s'amuser, hein. Là, je peux mettre une maison là. Là, je vais être obligé de détruire une de mes vies encore une fois. Parce que j'étais stupide et que je ne pouvais pas... Voilà, on va mettre un parc. Ok, jusque-là tout va bien. Bah c'est parti, on va bouffer une vie, hein. Oh là 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 là. Ça va faire longtemps que j'ai pas joué, ça se voit. Ça va faire longtemps que j'ai pas joué, ça se voit. Alors, on va mettre ça là. L'école, on va la mettre là. Voilà, ça c'est fait. La maison, on va la mettre là. C'est maintenant que ça arrive les maisons, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai encore fait une bêtise, hein. C'est ça qui me dit le jeu. Ah, ça marche. Ok. Oh, j'ai eu du bol, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Toujours sur le même jeu. Ça ne m'a pas bougé. Welcome to Water Treatment World. Hop. Allez, d'un coup... D'un coup, c'est bizarre. D'un coup, c'est tout bizarre. Hein, on se pose des questions. Hein. Pourquoi donc? Ok. Bon, on va continuer. Après le PLS. Hein? La connexion qui marche pas. Hop. Alors, on va faire encore une petite partie. Water Treatment World. Bon, en gros, il faut. C'est un jeu qui est facile à comprendre, entre guillemets, mais qui est très difficile à maîtriser. Hop, easy, normal. Alors, on va prendre. Hop. On va prendre cette petite ville. Alors, je crois que c'est le tutoriel, ce truc-là. Je suis pas sûr. Je suis pas trop envie de faire le tutoriel. Ah oui, non, mais ça, c'est le tutoriel. J'ai pas envie de faire le tutoriel. Alors. Tutoriel. Alors là, il est en hard. Alors. Qu'est-ce que je vais prendre comme map? Bon, on va faire du... On va pas faire la campagne. Voilà. Personnalisation, ça va être ça. On va faire un solo. 20 colonnes. Et on va créer notre deck. On va se mettre avec... Avec le maire. Alors, ça collecte des points. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Dans mon deck. Mon superbe deck. Alors, je voudrais des maisons. Hop, centrale à charbon, grossiste. Alors, j'ai pas le choix, j'ai 4 maisons à mettre. Par contre, les homeless shelter. Est-ce que c'est. Alors, lieu de culte. Jardinage, fournisseur, brasserie, cimetière, défausse la carte suivante, salle de remise en forme, sous-station, restaurant, terrain de golf. Est-ce que j'ai pas un truc
Ah d'accord, super. Je veux que des maisons et lui il me les barre. Foyer pour sans-abri. Collecte des points. Non, bon, bah zut. Du commerce. On va se mettre des choses qui augmentent, tiens. Ouais, ça c'est. Quoique lui là, il marche bien le. Ok. 12 sur 12, substation. J'avais pas besoin de ça. Ok, on va voir ce qu'on peut faire. Le grossiste, il a l'air sympa, la centrale à charbon. Échange de téléphone. Usine électrique. Ça peut être bien. Alors j'ai déjà l'usine, d'accord. Alors ça c'est des beaux bâtiments. La clinique, ouah, centre de loisirs. Lieu de culte. Non, peut-être pas. Bosquet. Cimetière. Pré communal. Le gazebo en fait. Oui, c'est vrai que le new launcher Minecraft est passablement pas pratique. Alors. Pré-communal, c'est parti. Ok. On suit une partie classique. On voit un petit peu les choses. Alors, j'ai deux maisons. Une maison. Deux maisons. Ah, joli. Ça va peut-être pas m'arranger, mais. Alors, je vais mettre ça là. Le supermarché, je vais le mettre ici. Voilà. L'usine d'électronique, je vais la mettre là. Le pré-communal, hop, on va améliorer ça. Avec cet autre pré-communal, on va pouvoir améliorer celui-là. Le supermarché va m'aider. Je pourrais peut-être en mettre un là, supermarché. En fait, il faut que je garantisse chaque colonne au fur et à mesure. Et il faut que j'endommage. Il faut que je mette des points négatifs sur les. Ah, j'ai le droit à un achat. Il faut que je mette des points négatifs sur la case. Les cases sur lesquelles j'ai déjà mis des points négatifs. Comme ça, ça m'aide pas. Hop. Alors, je peux acheter des choses ici. Oh, capacité de quartier plus 3. Plus 1, un bâtiment adjacent. Ça, c'est magique, ça. Faut le prendre direct. L'usine. Je peux mettre une usine là. Voilà, c'est parti. Ah, silo, ça c'est bien. Désolé, j'ai eu la connexion qui a complètement RIP. Ça arrive, c'est la vie. Maison, collecte des points, collectons des points. Collectons des points. Voilà. Voilà. Alors faut pas être bête là. Faut pas être bête du tout. Parce que là je suis presque en train de faire des bêtises déjà. Hop. Je suis presque en train de faire des bêtises déjà. Alors. J'assure cette ligne là. Là, il faut que je fasse cette ligne là. Il faut que je continue toujours plus. J'ai des maisons qui peuvent récolter des points, mais en fait. Il faut que je me concentre sur d'autres choses. Le silo. Voilà, ça marche bien. Ok. Ah là 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 là. On va voir avec la. Dépôt de bus, silo. Plus un bâtiment adjacent. Oh, le parc à roulotte. Qu'est-ce que je peux prendre dans le skills?
Ok, donc j'ai deux pour chasse, la chasse en plus. Plus ça, un quartier adjacent. Waouh. J'essaye. Si je tombe dessus rapidement, ça va être pas mal. Le marché, l'école, encore une fois, ouais. Ah, tu t'éco pour rien. Mais non, tu te co jamais pour rien sur Minecraft. Hop. Voilà la maison. On va récolter des points ici, on va commencer. Là, on a une usine là. On va pouvoir se récupérer un tas de choses. Voilà. L'école. On a suffisamment de points là. On va en rajouter par là. Alors, salle communautaire. Encore. Allez, vas-y. Des bureaux, usine chimique. Ça rigole pas. Ça c'est bien ça, ça faut que je récupère. D'accord, alors j'ai une maison, j'ai la maison de mes rêves. Ma rêve partie. Alors. Alors ça. Oh joli. J'ai eu chaud. J'ai eu très très chaud. J'ai eu très très chaud. Mais là ça avance tout d'un coup. Parce que j'ai débloqué plein de choses. Ok. Électronique juste là. On va mettre ça là. Ça, je peux m'amuser à le faire. Et là, comme j'ai inversé. Hop là! Banco. Ça va être beau aussi. J'ai envie de faire ça à la place. Voilà. Le supermarché, je le mets là. Je peux mettre un silo ici, tiens. Hop là. Alors on va mettre un supermarché ici. Je peux mettre une usine là. Ça va me poser aucun problème. Là, j'ai la salle communautaire. Alors, la salle communautaire. Voilà. Là, je peux mettre ma maison. Mais je vais mettre une usine là, à la place. Voilà, j'ai de quoi acheter des choses. Là, 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 là. Le poste de police. Oh, ça peut être pas mal, ça. Salle communautaire, encore une fois. Le bureau. Bureau, c'est bien. Ça me rapporte des choses. Pâturage, plus un ce quartier, ouais mais non, c'est pas nécessaire. Défausser 3 cartes, concessionnaire automobile. Ah, je peux essayer ça. Ah, j'essaye. Pré-communal. Il est temps de récupérer des points sur cette case-là. On va s'amuser, on va mettre ça là. Hop! Ça va nous faire plein de points d'un coup. Au poil. Alors, cette maison-là, on va pouvoir la mettre ici. Ce prêt-là, voilà. Alors, le concessionnaire automobile. Ah, ça me rapporte toujours mes points. Le bureau. C'est quoi Some Dreams? Ah, mais t'es tout seul, ouais, c'est vrai. Effectivement. Alors, je peux acheter quelque chose. Un poste de police, ça va peut-être me rapporter pas mal avec le temps. Hop. On va mettre une maison sur cette case-là. L'école. On est ici. Le poste de police. Tiens! Apporte-moi des points, je te dirai rien. Peut-être intéressant de valoriser des points juste là déjà. Alors, j'ai une maison.
pourrais mettre ici. Une autre que je pourrais mettre là. Supermarché. Pour une facilité des choses. Ah, ça va pas être bon si je le mets là. Je peux essayer de le mettre plutôt par là, ça me rapportera des points assez gratuitement. Là, j'essaie de le mettre là. Alors, ça me met des points négatifs. J'ai pas besoin de points négatifs. Hop, alors on va passer. Voilà. Alors, je peux mettre une maison ici, je vais pas me gêner. Une usine là, je vais pas me gêner. Une usine là, je vais pas me gêner. Un prêt communal, je vais pas me gêner. Voilà, j'ai une maison là. Alors si je fais ça, je vais potentiellement me mettre dans la mouise. Alors regardez, ça, ça va être une technique de pro. Alors je suis qu'à la moitié du chemin. Waouh. Pas trop se laisser essouffler. Hein. Ok. Hop. J'ai une maison là. Je peux continuer en mettant un supermarché ici. Alors j'ai trois choses à acheter. L'école. Allez, on recommence. L'allée de bowling. Dépôt de bus. Ça, ça peut être vachement intéressant. Dans les skills. Allez. D'accord. On peut essayer. J'ai envie d'acheter quelque chose là, plutôt. Allez, un marché. Alors, le silo. Hop. Il me faut une maison en plus. On aura une maison en plus. Les écoles. Il faut qu'on rentabilise notre foncier un peu. Ah, je vais faire. Je vais me mettre là. Lui. Hop. L'usine. J'ai pas de bon endroit où la mettre, l'usine. On va la mettre là. Hein. Le marché. Parce que j'ai pas un endroit plus rentable où mettre le marché. Ah là ça peut être bien. Maison en rangée, x2. Parfait. Bon, il va peut-être être temps d'avancer. Allez, c'est parti. Je gardais l'inversé pour ce moment-là en fait. Parce que je savais que ça allait me permettre de vider un tas de. De vider un tas de tuiles. Alors, hop, on va s'amuser là. L'usine d'électronique. L'usine d'Electronic Arts. Oh, qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise? On peut déjà essayer de faire ça, voilà. On a une maison là. Hop. On a une maison là. Il faut payer 5 pour y arriver. La tuile quoi. Une maison là. Tout intérêt à mettre une maison là. Le pré communal. Tout intérêt à le mettre ici. La maison, j'ai tout intérêt à la mettre. J'ai pas assez de points. Bizarre le jeu. Non, il est pas bizarre, il est extrêmement logique. Au contraire. Mais non, j'ai pas su finir, regardez là. Je suis là. C'est là la fin. Allez, on fait ça. Ok. Alors le silo, on va le mettre là. Ça va être beau. Quand je vais arriver à ça, ça va être très beau. Ok.
Là, vous voyez, il y a le inversé, là. Là, je gagne 5 points d'un coup. Bam. Donc. On va continuer. On va faire notre bonhomme de chemin. Alors, ça. Hop. On fait un peu pour l'avenir. Inversé, on n'a pas besoin pour le moment. Ça, on va faire ça là. Alors, une école, un laboratoire de recherche. L'ancien asile. Alors là-dedans, je peux sûrement. C'est parti. Ça me va. Ok. Il est traduit en français, mais il n'est pas traduit en vrai, le jeu. Hein. C'est un peu mensonger cette histoire. Hein. Hop. L'usine d'électronique. Le bureau. Tiens, dans tes dents. Ouais, ça marche bien. Alors. Voilà, ça m'apporte des points. Laboratoire de recherche. Remplacer la carte suivante par une carte de même classe mais du niveau supérieur. Ah bah, essayons. Ok. Il sert à rien l'ancien asile. Je viens de me voir avoir. Alors. Allez, vas-y. Fais-moi rêver. Hop, voilà, 7 points d'un coup. Il y a de la beauté. Mais c'est bien le dream, tu te corriges en plus. On va mettre ça là. L'école, on va la mettre ici. Le supermarché. Regardez-moi cette explosion de points là qu'on va faire. Le grand magasin. Le duplex, on va faire 10 points. Parc à roulette. La maison qui collecte des points. L'asile est encore là. Ouf, vous êtes sérieux les gars? L'asile est revenu. Le supermarché, allez, balance les points, monsieur le supermarché. Hop, le pré-communal. Pré-communal. Où est-ce que je peux rajouter des points? Alors là, on est bon. La maison qui collecte des points. L'usine d'électronique qui collecte des points. La maison qui collecte des points, on a gagné! On a fait un score de 15 sur le rangé quand même! C'est pas mal. Alors. Et c'est le best score, c'est le meilleur score que j'ai jamais fait. Je suis content. On va pouvoir justement arrêter le live là, donc je suis désolé, il y a une petite interruption à un moment donné, c'est pas grave. Mais bah, je suis très content, j'ai bien repris la main justement dessus. Il y a eu un moment où j'ai eu un petit peu de doute, mais ça s'est bien passé l'ensemble. Merci beaucoup à vous d'être resté jusqu'au bout du live, surtout toi, Monsieur New Dreams. Et puis... on se retrouve dans pas trop longtemps sur le serveur et sur la chaîne avec l'architecture. Ciao les gens!